Prison Architect. Et voilà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc vous allez voir qu'il y a quelques petits trucs déjà. Prison Architect est passé en... Ouais, plus ou moins en français. Il n'y a pas les accents parce que le jeu n'est pas capable de les afficher. Mais on va créer une nouvelle prison. Je ne sais pas encore exactement le format que va prendre plus ou moins la série, mais c'est pas grave. On va commencer ça. C'est ça, c'est ce que j'avais dit, c'est que c'est plus ou moins traduit. Donc en plus c'est pas forcément les bons sons qui sont joués les uns après les autres. C'est pas très grave. Mais on va essayer de faire avec. Donc on va faire le truc, un centre de détention basique. Mais on va aussi en même temps commencer le bloc de cellule A que je suis en train de faire. Et là on va faire les bureaux de tout le monde. Alors cette fois-ci je ne calcule absolument pas du tout si mes... 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, allez, ici. Ce coup-ci, je ne calcule pas du tout si les bâtiments ont une taille logique et ou optimale. Moi, je dois bien vous dire que pour ce début de let's play, vu que de toute manière, l'état où est présentement le jeu, je pense qu'on va être d'accord tous ensemble à dire qu'il n'est pas forcément utile de tout calculer exactement au petit poil comme il faut. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que le jeu est pas encore du tout mûr pour ça. Donc voilà, hop, on va accélérer un petit peu et forcément je m'étais dit que pour une fois j'allais lancer un chronomètre histoire de voir le temps, l'enregistrement, tout ça, bien faire. J'ai oublié. Donc c'est pas grave, on va commencer par mettre une petite porte ici. Attendez, on va mettre une porte là. Hein. Et une porte ici. Et une porte là. Alors là je sais pas pourquoi, effectivement, je sais pas si vous avez vu que des fois la porte elle est en biais. Effectivement, des fois les portes elles sont en biais. Et là, il y a une typo, construire une douche. On ne va pas construire une douche. On va construire une douche. Jail door, lounge, ici. Voilà. Donc là, on va attendre qu'ils construisent ça vite fait. Histoire d'avoir un peu de bon argent comme on l'aime. Du bon fric tout frais. Et si je veux aussi construire d'autres fondations ici. Pour faire un building dans lequel je vais avoir les utilities. Attendez, comment on fait démolir? C'est pas franchement dismantle, voilà. Ah, je ne peux pas dismantle la barrière, d'accord. Bon, mais c'est pas grave. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Bon, j'aimerais bien pouvoir réduire la to-do list, puisque là, vu que je suis passé en... Justement, en 720p pour faire l'enregistrement, la to-do list prend quand même énormément de place. Donc ici, on va construire des cellules. Donc une cellule, ça fait 3 par 2. Ha ! Comment j'ai bien compté mon truc ! Et en fait, non. Attendez, laissez-moi réfléchir une minute. 3 par 2, si je fais un couloir de 1 ici, la cellule ici, ça fait ça. Et ça fait ça. Jusque là. Et ici, un mur. C'est ça.
Donc ici un mur, ici un truc qui revient ici comme ça. Ah, c'est pas si pire calculé que ça. Hein? Je pense que ça aurait été possible de faire mieux. On va voir comment ça s'arrache pour arriver en dessous. Et ça, c'est trop petit. Et donc, on va faire le même mur ici. C'est ça, 1, 2, 3, 2. C'est ça. Et donc, avec un petit peu de chance, je vais même peut-être... En train de me poser la question, est-ce que je vais voir si je fais une deuxième ligne de cellule et une holding cell qu'il faut que je fasse pour commencer ici. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ouh, j'ai eu peur qu'il ait perdu tout ce que je lui ai demandé hein, d'un coup là. Là ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un office. Je vais faire le bureau du directeur de la prison ici. Là je vais faire un mur approximativement ici avec un petit trou là pour faire la cantine ici et la cuisine là. Ah, c'est très bien ça. Ça, je sais plus ce que je voulais en faire, mais c'est pas important. Donc ici, il faut qu'on démolisse ça. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de confirmation quand on demande de démolir un truc. Alors, je vais acheter une porte qu'on va poser ici. Un bureau. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est pas traduit. Je viens de m'en rendre compte que... Un bureau, un classeur, une chaise, et je vais m'engager un directeur de la prison. Donc j'ai les gens qui vont arriver dans pas très longtemps. Autant dire, ouais, donc quand même... Ah si, ici je voulais faire deux choses... On va faire un mur en concrete là. On va faire d'un côté une salle de douche et de l'autre côté un hôpital. Ah oui, ici il faut que je fasse une entrée, c'est vrai. Une porte ici. Hop. Et donc là-dessus, utilities. Ça a été mal traduit d'ailleurs par utilitaire. Ça ici. Ça ici. Et ça là. Et non. Ça c'est un truc qu'il faut changer de sens. Hop. Voilà. Voilà. Choup. Voilà, et c'est là aussi où il faut, à chaque fois qu'il y a un mur... Ah bah tiens, j'ai oublié de corriger un écran. Et à chaque fois qu'il y a un mur, il faut rajouter un petit truc électrique. Là, ça devrait être bon au niveau électrique. Alors, dès qu'ils vont installer le système de génération de puissance, il devrait y avoir des bouts qui vont s'allumer. Attention. Je vais pas le redire. Oui ! Lumière ! Donc, ici, objet, on va mettre une jail door. Là, on va transformer ça en holding cell. Donc
pour que ce soit une holding cell, il va falloir mettre des toilettes. Et des bancs. Non, pas une serving table. Pas une table non plus. Pas une box slab. Pas un frigo, pas un sink. Bon. Voilà. Ah oui, mais ça forcément... Je l'ai pas raccordé à la puissance. Et là, est-ce que ça a crash? Non, ça fait juste une autosave. J'ai pas de bol aujourd'hui avec les autosaves qui ressemblent à des crashs. Oh là là, il y a sûrement plein de trucs qui s'allument. Polaroid. Ok. Why not? Voilà, donc ici, objet. Frigo. Et truc qui permet de faire la cuisine. Et du coup, il faut connecter tout ça à l'électricité. Hop. Voilà. Ça, il va falloir connecter tout ça à la flotte. D'ailleurs, pourquoi ce bâtiment n'est pas allumé? Parce qu'ils n'ont pas posé les câbles électriques. Et vous allez vous rendre compte d'un truc très drôle. Les workmen arrivent à passer au-dessus des murs. Absolument sans problème. Qu'est-ce qui manque ça? Ha ha! Taille minimale, longueur x 5. On va démolir ça. Hein. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'ils aillent faire ça et qu'ils se dépêchent puisque j'ai pas super le temps non plus de gérer tout ça. Cela, ça arrive quand même à la fin. Et là, ça oui. Donc, j'ai cru qu'il y en avait un qui portait deux frigos. Ah oui, non mais... Ah, je lui ai demandé, j'aurais demandé de péter le sol. Ah là là là, quel boulet je fais de demander de péter le sol. Du coup, il va falloir que je refasse du sol. Et les prisonniers arrivent genre maintenant. Et c'est la galère parce que je n'ai pas engagé de garde. Et ma holding cell est trop petite parce qu'il n'y a pas de sol. Alors pourquoi il ne veut pas faire de sol ici? Ça, c'est pas sympa du tout. Houston, nous avons un gros fail. Je veux mettre de la dirt, du paving stone. Ok, parce que c'est considéré comme n'étant pas en intérieur. Bon. Bah... Sur ce fail, c'est pas cette prison-là qu'on va regarder prochainement. Et on a vu un des bugs du... Ah non, attends. Comment ça se fait? Alors là, il y a un problème, puisque ma holding cell fonctionne quand même. Même si elle est complètement buggée. Ok, là, il y a vraiment un truc... qui est pas normal. Il y a vraiment un truc pas normal. Bon, c'est pas grave. On va se laisser là sur celle-là. Et c'est pas celle-là qu'on va re-regarder
tard parce que là, elle est complètement buggée, elle est déjà pétée cette prison. Et c'est le fait d'être dans une alpha. Donc à bientôt pour un nouveau début dans Prison Architect. En espérant que le bug des accents soit résolu, puisqu'ils ont, comment, introversion, on a parlé dans un de ses posts, et ils ont dit qu'ils étaient effectivement en train de travailler là-dessus. Et donc à bientôt, hein, et j'espère que la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir à ce point-là. Allez, salut. Prison Architect.